Allez, bonjour tout le monde, c'est Brom, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Arma 3. Aujourd'hui nous sommes en gendarme, nous sommes en Porsche Porsche Cayenne, Macan. Voilà, on est avec Beldaraoui, petite patrouille P1 à 2. On a fait on va passer par la Trinité si on voit rien, on ira à Pessa. Et du coup là maintenant on va Pessa, enfin on va d'abord Trinité puis on ira voir sur Pessa s'il y a rien qui se passe. Voilà, tranquillement je laisse conduire hein. Si vous voyez j'ai les mains qui sont libres parce que je laisse un peu conduire les gendarmes. J'aime moins. Ah oh, putain mais c'est pas possible ça. Ah monsieur je me sens pas bien là. Je suis défoncé à jambe. Ah, si vous reliez déjà sur votre borne ce serait plus simple. C'est quoi son nom à lui là? Moi c'est Pablo Piloué et monsieur je suis extrêmement pressé depuis tout à l'heure. Ouais. Non j'allais à 110 monsieur moi. J'allais à 110. Non par contre c'est Beldaraoui c'est toi qui étais sur j'allais à 110 c'est vous qui étiez en contresens. Non, c'est vous qui êtes venu sur notre route. Négatif, je viens de voir les traces. Je te jure, c'est pas pour être contre toi, mais je te jure. Et faut, parce que vu que le temps que la prestige soit ouverte, faut vite que j'aille chercher mon lot, ils sont jamais ouverts. C'est moi qui ai gagné hier la course. Enfin, je vous passe. Et alors, faut que j'y aille. Si vous voulez, je suis désolé, monsieur. Vous avez gagné la course ou pas? La preuve que vous êtes pas bon pilote, vous êtes même pas capable de garder votre fil. Désolé, j'ai moi dans ma tête, j'avais... Bah monsieur n'a pas le permis de conduire, allez hop, avec nous. Non, d'où je l'ai pas. Mettez vos mains sur la tête, s'il vous plaît, monsieur. Putain. Ouais, m'appelle pas pour ce pseudo, je me suis fait arrêter par les flics, ça me saoule. Bon, j'appelle le dire. Mec, je vais devoir attendre... Gendarmerie pour années. Dépanneur. À parler, il n'y a pas de problème. Excusez-moi, je parle dans mon oreillette. Putain, non, mais remettez vos mains sur la tête. D'accord, monsieur, mais déjà pendant la course, vous avez fait n'importe quoi. J'ai fait vous entrer dans ma faute. Vous avez fait me tuer. Ça m'énerve. Excusez-moi d'être agaçant et insolent, mais je suis vraiment, vraiment énervé. Ça fait 30 pour minutes que j'attends mon collègue qui vienne en ville. Non, je suis désolé, monsieur. Oh non, putain. Ouais, c'est le couvre-le, monsieur. Non, tentative de corruption, putain. S'il vous plaît, vantez. Ah, je vais me pendre. S'il vous plaît, je vais me pendre, monsieur. Gendarmerie pour dépanneur. Monsieur, on vous écoute. Oui, c'est la gendarmerie. On aurait un véhicule de type RS6 à venir chercher au niveau de Dourdan. Oudan. Gendarmerie pour dire. Je les appelle. Écoutez, monsieur. On a besoin de vous juste après mais la caserne des pompiers pour réparer putain, un véhicule vraiment gendarmerie le plus gros début et un route. Véhicule d'un fuyard, s'il vous plaît. T'as dit quoi? Mais voilà, mec, ça fait un quart d'heure que j'essaie de leur parler, je pisse le sang là, il faut que je me souvienne. Ah oui, c'est vrai qu'il faut qu'on aille à l'hosto, nous. Ouais, je me mets un bandage, mais il va falloir qu'on se mette à l'hosto après. Fuyard à gauche, véhicule gendarmerie à droite, c'est ça? Bon, c'est bon usage, c'est ah, ici. Excusez-moi, monsieur. Et on va réparer Arbre aussi, peut-être. Monsieur, excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'aider là? J'en peux plus. De quoi vous en pouvez plus, monsieur? Excusez-moi, j'en peux plus. Je me suis fait arrêter, je sais pas pourquoi alors. Pourquoi vous êtes ensemble, monsieur? Il y a eu un petit problème, je suis descendu de la voiture trop rapidement en fait. Quoi? Il y avait des bandages. Bah, alors, qu'est-ce qu'elle a votre voiture, monsieur la jeune? Merci. Mais c'est elle la Ferrari bleue que j'ai défoncée hier. Et si punaise, je suis dépassé, j'ai la mauvaise radio. Hein. Monsieur, je m'appelle Pablo Piloué. Bah, je vous demande de monsieur. Réparer le Macan et la RS6, s'il vous plaît. Monsieur, je m'appelle Pablo Piloué. RS6 aussi. J'ai pas eu le temps d'avoir mon bon d'achat là, j'allais chercher mon bon d'achat. Monsieur Piloué, j'ai oublié de vous signer vos droits, il est actuellement 19h15, vous êtes actuellement placé en garde à vue pour une durée de 24 heures reconductible, vous avez demandé à boire, à manger, à une assistance médicale. Oui, j'ai compris mes droits. Oh là là, la Mustang, oh là là. Oh là là. Oh le stagiaire, t'avances ou sinon je te rends pas tout nu? Eh, je suis pas stagiaire mon gars, c'est toi le stagiaire de l'école. Pitié, moi je suis plus vieux que toi, fais gaffe. Oui, ouais, circuler, monsieur. Ah, ça vous fera 25 000 et l'autre voiture. Chelou. Je sais pas, ouais, c'est possible. Il faut la laisser aller cette voiture ou faut la mettre à la fourrière?
Non, non, faut la réparer. Ok, celle-là, c'est RI, départ gendarmerie, deux effectifs sous Barwin Breda. Qui paye ? C'est reçu pour comment ? Ça, c'est peut-être pour eux, mais j'ai besoin de toilettes, du coup. Putain, je saignais encore, quoi. Camarade, t'as réparé quoi sur l'autre véhicule ? Attends, tu prends pas la RS6 ? Si tu veux. Ouais, elle est lourde, mais elle est 22. Ah, maman. Je peux pas rouler, c'est ma voiture, je roule avec ma voiture. Voilà. Ah parce que en fait il y avait les 4 pneus, mais j'avais oublié que c'était 9000 unités. Magnifique. On a fait 9 x 3. Et cette voiture là aussi, parce qu'elle a le mode Alpacon. Hein. Commence à mourir de soif, ouais, merci. Ouais, l'embalquer parce que là c'est quoi le nom de monsieur non je sais pas de oh, mon Dieu, ils ont écrasé Fleur. Non Fleur aïe, 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 c'est quoi votre nom monsieur qu'est-ce qu'il y a c'est quoi votre nom Pablo Piloé très bien ok non, Pablo Piloé d'accord pas de soucis j'envoie la facture ça c'est juste la RS6 hein. Ah ouais, que la LS6, pas de problème, donc elle a lavé... Mais putain, monsieur, j'ai ma webcam, hein, si vous voulez, je vous montre que vous étiez pas dans votre truc et que vous avez... Mais ça change rien que vous ayez pas le permis. On va pas vous verbaliser pour la conduite dangereuse ou quoi, on va juste vous verbaliser parce que vous avez pas votre permis, monsieur. D'accord, mais le permis, monsieur, je suis désolé, mais j'ai complètement zappé de le reprendre. Monsieur Piloé. Votre véhicule va être saisi. Mais je comprends pas, vous savez comment voilà. je l'ai perdu. Et vous, monsieur l'agent, j'étais c'est en VTT, j'ai écrasé Romain quelqu'un Walker. Avec mon VTT. Hein. Romain Walker. Et qu'est-ce qu'il fait lui ? Et il est fou ? Eh non. S'il vous plaît, non, non, vous la faites à Beldaraoui, c'est lui qui conduisait, vous êtes fou ou quoi là ? Putain, la prestige est fermée, mais putain. Eh, il est malade lui. Oh, je vais conseiller un lieu. Je te rembourserai. Ah ouais, t'as plus d'intérêt, ouais. Votre prisonnier, les croyants, voilà, il veut contacter Dieu. Oh, Romain Walker, la tech. Par contre, faut dire le monsieur qui paye, hein, sinon il parle pas. Hein. La voiture, on la récupère. Hein. Monsieur Piloé, on attend que vous payiez. Oui, monsieur, j'aimerais bien payer, mais je me noté. Tu peux me donner 32 000, s'il te plaît, collègue ? Ouais, attends, je te donne ça de suite. Oh, putain, ça marche comme ça. Eh, camarade, tu me donnes 1 000 000, s'il te plaît ? Non, mais non. Monsieur, ça. Non, mais c'est parce que c'était mon collègue qui conduisait et vous m'avez mis l'amende. Monsieur, s'il vous plaît, me mettez pas de garde à vue. Je vous ai payé l'amende. Vous avez des pansements là parce que là je paye beaucoup de ça. Ça fait une semaine que j'attends d'aller à la précise ouais. Parce que j'ai mon bon d'achat de 15 millions. Je t'ai envoyé. Merci, collègue. Je me fais arrêter par putain, c'est quoi ces mêmes ? J'en ai pas décondé. Outrageage. Non, merci, pas... monsieur. Décondé, c'est pas une insulte. Vous payez votre amende ou pas là ? Bah, j'ai pas d'amende, je ne sais rien, je vous assure. Ah, la facture. Ah, merci. Votre facture. Bah, je peux pas la payer si vous me notez. Allez. Ah là je peux. Ouais, écoute, c'est un arme. Compliqué le bonhomme, compliqué hein. Excusez-moi d'être insolent mais comprenez-moi. Ouais non vous comprends pas, remettez vos mains sur la mais tête. Mais quoi vous remettez pas sur carte vous foutez de moi. Allez, mettez vos mains sur la tête. Déjà vous avez foutu bordel à la course hier. Ah eh ben, tout est payé, c'est bon, merci messieurs. Pas de soucis. Ah, faut vite m'amener à l'hôpital, me soigner. Oh, il est cosplay celui-là. Toi, prévenu du syndicat ? Non, bon, bah. On s'arrête à l'hosto. Afi ? Non, on s'arrête pas à l'hosto. Montez avec nous. Voilà. Ah, mais ça va. Ah, tu peux ouvrir, excusez-moi d'être aussi chiant, mais voilà. Je sais ce que c'est le boulot, j'ai aussi taffé là-dedans, mais. Putain, je suis dégoûté, mais un point. Toute la journée, j'étais là. Toute la journée, j'étais là à attendre que ça ouvre. Et quand c'est ouvert, bah, faut que les flics m'emmènent. Vous savez, vous avez le temps, hein. La gendarmerie, et maintenant c'est fermé. Et en plus, ça faisait, je vous assure, plus de 2 heures que j'attendais parce qu'on a changé nos cordes vocales. Ça fait plus de 2 heures que j'attendais avec mon collègue, je sais pas comment dire ça, on attendait à la mairie pour me mettre citoyen. Ça m'énerve. Et là, on nous met citoyen, et qu'est-ce qui se passe ? Je rentre dans une voiture de flic. Et vous savez quoi, le permis, comment je l'ai perdu ? J'étais en VTT, un mec s'est mis devant moi, et je l'ai écrasé. Ah. Et du coup, on m'a retiré mon permis. D'accord, bon, j'arrive. Hey, monsieur Piloé ? Bon, ce mec comprend pas trop. Ici, comme je vous l'avais montré dans la vidéo civile, on peut regarder si on a des maladies sexuelles.
C'est nimble cette histoire. C'est mon 300 000, c'est tout. C'est bon. Direction gendarmerie. J'ai tombé dans le coma là. Ah, vous avez besoin d'être soigné? Ben non, mais je veux dire, je vais retourner au continent et plus jamais venir sur cette île, je suis dégoûté. Ah, bah c'est pas ça. Mais c'est monsieur, si vous aviez votre permis de conduire, on n'en serait pas là. Sur cette île. Et dès qu'il m'arrive un truc bien, bah regardez. What? Bah vous voyez, ça a fait ça quand vous avez pris le virage. Ça fait exactement pareil. Ouais, non, mais mon collègue a des gros soucis cerveaux. Bah ça fait exactement pareil quand vous avez pris le virage. Monsieur, c'est pourquoi je vois tout le noir et blanc et tout sombre. Peut-être parce qu'il fait de nuit, monsieur. Ok. Ça va durer longtemps les 24 heures. Les 24 heures. Bah vous m'avez dit que j'étais 24 heures garde à vous. Non, garde à vous. Pourquoi vous serez 24 heures garde à vous. Pourquoi est-ce que vous seriez quand même 24 heures en garde à vous? Parce que j'ai pas mon plan. Moi ça te plaît. Je vous avoue que j'ai pas encore regardé. Prise de patrouille PH, 3 effectifs à bord dans COG. 3 effectifs dans PH. Dégouté de la vie. Mais tu m'éblouis, collègue. Nous on va pas tous sur la toile. Ouais. Est-ce que vous y a moyen que vous obligiez à. Commandement, pour la personne qui a parlé, je vous prierai de reprendre une voix classique. S'il vous plaît. Prestige d'ouvrir. Mais c'est ma voix classique là. Qu'est-ce que tu dis, c'est raciste là. Monsieur Edfield, je vous prierai d'arrêter s'il vous plaît. Mais mec! Quoi, mec? Eh, dans les services, là, j'étais en France. J'ai cassé. Ouais, bah, vous savez qu'on lui. Ah, bah, bravo, le Eric! Cassé ma voix. En même temps! Oh, ici, lieutenant Strauss, vous vous calmez là? Bel exemple pour les citoyens. Si à Strauss, il va nous casser la cuve. Non, mais en même temps, si tu m'éblouissais pas avec tes gros phares là. Arrête de trouver tes excuses. Mais mec, t'es ouf ou quoi? Tu me colles au cul depuis une demi-heure et t'as failli me rentrer dedans tout à l'heure parce que t'as des soucis cerveau, gros. J'ai la dashcam, je sais tout. Ah là là. Je vous jure, moi aussi j'ai ma webcam. Ah, le collègue là qui éblouit avec ses gros phares là. Je suis désolé, mais votre conduite elle est pas du tout là. Hein. Bon, ce coup-ci, j'avoue, j'ai glissé comme une merde, mais pas bien. Prenez la chicane au. Bon, monsieur, vous savez que vous êtes placé en garde à vue? Bah, en garde à vue par des campins. Enfin, je rigole. Ah, bah, ça rajoutera un outrage à agent, monsieur. Non. Allez, c'est cadeau. Non, non, on rigole pas quand on est en garde à vue, monsieur. C'est une blague. Ah, bah, c'était pas drôle votre blague, monsieur. On veut bien être très gentil, ça fait une demi-heure qu'on vous laisse parler à votre guise. Maintenant, il y avait le mot de trop. Je sais même pas ce que c'est le campin. Bah alors, quand on sait pas, monsieur, on évite de le dire. Campin, en plus, je crois que ça veut dire soldat. Soldat qui respecte. Non, les deux vous êtes plantés en plus. Hey, eh regarde, regardez comment ça parle de moi. Mais putain, mon Audi. Mon Audi. Et après ça parle de moi. Hein. Attendez, vous croyez qu'il sait que normalement c'est pas par là qu'on entre? Il y a un sens interdit, mais... Ouais, mais non, mais je sais pas, il comprend rien, quoi. Je vous montrerai ça sur le site de l'île. Ah. Non, je ne vois jamais ça, je trouve ça un peu lâche, mais... Un peu? Beaucoup. Mais maintenant, j'ai mon avis au niveau de la gendarmerie. Alors... Monsieur... Hop... De RI pour COG.
C'est où j'allais écouter. On est actuellement sur douane, on a un hélicoptère atterri à la douane, noir, EC-635, est-ce que c'est au militaire? C'est au président URSS, il y a eu un problème, du coup on pourra peut-être demander au dépanneur de l'enlever. Affirmatif. Oh putain, y'a Belle d'Arme. monsieur, du coup. Hop. On va procéder à tout ça. Il faut juste que je reprenne mon document. Vous mettez-vous l'amende, s'il vous plaît. Oui, oui, on va vous mettre l'amende, vous inquiétez pas. Merci, ça me saoule. Vous inquiétez pas, monsieur. Surtout que mon collègue m'entend depuis tout à l'heure. Vous entend? Comment est-ce qu'il peut vous entendre? Parce qu'en fait, j'ai un petit problème avec ma radio, elle reste allumée en continu. Non, mais le truc, c'est que votre radio, normalement, elle a été retirée. Oui, je sais, mais c'est un... Vous disiez? Moi, je veux. Vous disiez? Allô? Monsieur? D'accord, on m'entend très bien, mais monsieur refuse pas. C'est très bien. Alors. Monsieur, vous m'entendez là? Attendez, vas-y là. Tu m'entends, collègue? Yacine? Yacine, ouais. Tu m'entends? Ouais. Ok. Je sais pas parce que le mec m'entend pas. Alors, du coup. 125 000. Vous êtes là, monsieur? Vous êtes là, oui ou non? Ah ouais. Vous avez une garde à vue de 10 ans, monsieur. Monsieur. Et ensuite, on va vous rajouter, du coup... non, ça je vais vous le laisser parce que j'ai envie d'être gentil. Monsieur, vous m'entendez? Ouais, ça fera 125 000 pour la personne. Monsieur. Vous m'entendez là? Oui, on vous entend, on vous entend. Ah, voilà. Pardon, vocal avait un problème. Bon, vous la mettez cette amende? Affirmatif. Monsieur, du coup, comme je vous ai dit, vous m'avez peut-être pas entendu, mais comme je vous ai dit, vous avez été placé à garde à vue pendant 10 ans. Ouais, 10 ans. Monsieur, je vais juste libérer temporairement. Veuillez bien vous tourner vers moi, s'il vous plaît. Oui, je vous regarde avec mes jumelles. Merci. Putain, on a plus de place dans le garage, on a trop de trucs saisis. Mon Audi, je peux la récupérer quand? 125 000, monsieur, je vais vous verbaliser, je vais vous présenter l'amende 3 fois. Si vous refusez, ben, ce sera rajout à la garde à vue, monsieur. Gendarmerie. Oh, pas les coups de gendarmerie. C'est combien? C'est bien à vous, l'hélicoptère, là, c'est 635 qui passe au-dessus de notre frontière, là. Plus 10 ans de prison. Mais outrage à agent. Ah non, je lui mets pas, je lui mets pas. Ouais, négatif. Ah, s'il vous plaît, comprenez-moi. Vous pouvez mettre les mains sur la tête, s'il vous plaît. 36 à vous là, ou un truc comme ça qui passe près de nos frontières, et du coup ça nous dérange un peu pour le bruit, la communication avec les personnes qu'on contrôle au sol. Si possible de les loin. On va aller voir, ouais, parce que c'est pas noir, c'est de l'autre, c'est des diamants. Bien pris. Quoi? Il y a une faute. Very pour CEG. CEG, écoute. La police russe vient de me, enfin, l'armée russe vient de me signaler un EC-635 en vol illégal au niveau de la frontière. Vous pouvez aller voir, s'il vous plaît, avec PH. Affirmatif. Par contre, t'éviteras de mettre les voitures trop serrées la prochaine fois. Mais c'est toujours la Ferrari qui fume. Il va mourir d'intoxication. Hop, par contre, pourquoi est-ce que... D'accord. Oh, vous mettez 10 ans... Est-ce que c'est comme ça, monsieur, c'est la loi ou... Comment ça se fait? Ouais. Il y a un temps. Ah d'accord, je vais quand même rester là 10 ans quoi. Non mais c'est pas réellement 10 ans, monsieur. Mais comment je fais là? Bah là vous attendez. 10 minutes. Affirmatif. D'accord, bah je vous attends de ici. De RI pour ce objet.
CEOG à l'écoute. Moi, je viens d'avoir un ordre direct de monsieur Reznov, donc il veut qu'à chaque fois qu'il y a un colis Humaras qui arrive sur l'île, on aille l'intercepter en tant que gendarme. C'est reçu. Donc, saisie des armes et on essaye d'arrêter les personnes qui sont sur zone. Tes collègues. Bien compris pour ça. T'es tout nu. Il est tout nu, le collègue, là. Lamacan. On va la vendre. Concessionnaire gendarmerie. Porsche Macan. Faut que j'aille à l'hosto. Je me suis mis un coup, je suis dans le jaune. Dans le jaune? Ouais, les bras, les jambes et tout. De PH pour la personne qui demandait. Vas-y, tu viens me rechercher. Ah, tu viens pas? Ouais, elle écoute. Si, attends. Il y a combien de temps à peu près? Bah, dès que je vous l'ai annoncé, la police russe venait de me le dire, donc il y a pas longtemps. Non, mais les personnes, c'est possible que ça soit moi. Je regardais pas mon GPS et j'ai fait un tout petit écart de leur côté, donc c'est possible que ça soit moi. Si il y a 2 minutes à peu près, dans c'était dix moi. Minutes, dans 10 minutes, il faut venir leur libérer. Hein. Ouais. Par contre, t'es phare. Bah, quoi, mes phares? Ah oui. Voilà. Strauss, je sais même pas dans quelle patrouille il est parti. Hop. Je te laisse aller jusqu'à l'hôpital tranquille. Ouais. Je peux te faire confiance là-dessus. Génial. Le cerveau. On adore. Ah putain, hey, il a un bon de 15 millions, mais à la Prestige, avec 15 millions, tu peux acheter une Chiron. Qui? Sérieux, il a un bon de 15 millions? Ouais. What the fuck? Mec, mais avec 15 millions, t'es refait, bon. Bah oui. 15 millions. Est-ce qu'il a gagné la course hier? Putain, j'aurais dû m'inscrire. Je te jure. T'aurais perdu. Ta gueule. Moi, j'aurais demandé du bill, j'aurais pas demandé de voiture. Mais il a demandé de l'argent, c'est de l'argent qu'il a. Non, il a un bon d'achat de 15 millions. Oh putain. Qu'est-ce que je dis, t'aurais perdu. Mais non. J'ai regardé sur le truc Twitch, là, la course, et tout le monde s'est planté, c'est pour ça qu'il est passé premier. Ah. Moi, comme je bombarde, je conduis bien, t'as capté, frère, je serai arrivé premier. Il roule bien vite, lui. Oh, chez Pagnac. Oh putain, yes, c'est le dépanneur que je veux avoir. Il vient de faire un saut en plus. Voilà, fille. 130. Bien pour commandement. Bon, écoute. On a une. Avec une bouche bleue qui est en reflet tempéré qui vient de sauter. Qui repart en direction. C'est rouge. Oh, je vais tellement lui mettre cher. Allez. En plus de ça, il est à 180 en ville. Putain, et mon cerveau qui déconne maintenant. T'as, il croit vraiment qu'il va m'échapper, lui. Ah, l'enculé. Il patine. Oh putain, il a eu un problème de cerveau. Non, c'est toi qui as eu un problème de cerveau. Mec, tu me le lâches pas. Oh putain. Mais non. Je ferai sommation. Faites passer la Subaru là. Putain, mais te mets pas devant. Ça descend. Descendu dans la grange. Je suis dans le mal, il faut absolument que j'aille à l'hosto là. Si, je suis grave dans le mal. Dans la grange en face de vous. Putain, Yank. Ça
celle qu'on éclaire actuellement là. Si vous êtes en jumelle de vision nocturne, vous avez un pointeur dessus. Putain, il y a plutôt intérêt que je me pense, sinon ça va mal aller. J'essaie de me soigner un max parce que sinon j'ai trouvé dans le coma sans un humain. Direction le CSP. Il est au niveau du cimetière à l'église. Il s'en va de l'église. Il court direction le CSP. Ok, je suis en train de me soigner là, ça devrait aller. Il rentre dans la petite maison, au niveau de l'héliport là. Attends! Est-ce qu'on pourrait avoir des informations sur la situation de... Vas-y, emmène-moi le stove. Dans le garage. Bah attends, parce qu'il y a eu des tirs. On a un véhicule, l'un des véhicules. Ouais, moi aussi, il faut que j'aille, mais attends. Mais va à l'hosto! C'est bon, ils vont gérer, c'est un mec tout seul sans armes. Au niveau du garage. Qu'est-ce que tu branles? Ne tirez pas dessus. Tirez pas dessus s'il vous plaît. Suspendeur. Là j'ai fait des sommations, j'ai pas dit qu'il fallait tirer dessus. Par contre roule sur ta bande aussi, ce serait peut-être bien. T'inquiète, c'est pour le faire décaler que je fais ça. Oh là là. Quoi? T'as dû le coller de ouf mec. Ben non, mais en fait il a pilé d'un coup parce que son truc il s'est pété contre le pont et j'ai pas eu le temps de freiner. Ouais, dans tous les cas tu le collais quand même. Bah ouais, pour pas le lâcher, tu me dis tu me le lâches pas, bah je l'ai pas lâché. Putain mec, j'ai besoin de morphine là. Putain, faut qu'on aille chercher le véhicule en plus. Eh hey, mais il a des problèmes cerveau mon collègue là. De RI pour COG. COG à l'écoute. C'est bon. Ouais, on va donner le suspect à l'unité qu'il recherchait du coup. CP1, c'est ça? Affirmatif. Mec, tu conduis, tu prends pas la radio. Parce que vu qu'il nous a fait un joli petit refus d'obtempérer, ça va pas lui faire de mal. Affirmatif, refus d'obtempérer, il a sauté au fraud, tout ce qu'on peut. On va l'intercepter. On va faire un joli petit truc. Oh mec, j'ai trop peur de mourir là. Ça va, t'es là? Ouais, ouais, je suis là. Putain, la voiture est bloquée à 140. Oh. Tourne là. Putain, ils sont partout. Ils sont là. Mais non, fais pas ça. Mais t'inquiète, ça passe. Eh mec, mais à quoi conduire hein. Bah oui, maintenant va falloir. Mais ils viennent te contourner. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est toi qui branle de la merde. De Rio, on rentre à la gendarmerie aussi en fait. C'est reçu pour ce objet. Il est où l'individu ici, PR? Avec nous. Bien reçu. Par contre, vous avez été fouillé la grange parce que je crois pas qu'il soit descendu dans cette tenue. Hein. On va fouiller. Pour ce objet, il est descendu dans cette tenue. Mais j'ai faut vérifier le véhicule. T'as quoi dans le véhicule? Rien, faut que tu répares. Ah, de toute façon, de RI, ramenez le véhicule à la gendarmerie si vous avez de quoi le réparer et on le saisit à la gendarmerie. Ouais, mais y'a plus de place dans la gendarmerie, y'a trop de véhicules. Mec, je peux pas. Bah, c'est pas grave, y'a bien un petit endroit où on pourra le mettre. J'ai pas de repair kit. Putain, arrête. Bah, j'ai pas de repair kit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu fais de la merde. Il y a une station essence ici quelque part. Ouais, il y a une station sur Roudan. Attends. Non, c'est bon. Bah, tu vois que t'as un repair kit. Ouais, mais j'avais pas vu. Je croyais que j'en avais utilisé deux. En fait, il m'en restait un. Ah ok. YouTube, on cesse là-dessus. Deuxième macane que je casse. Enfin, qu'on casse. Là, c'est mon collègue. Moi, je vous dis aimez, commentez, partagez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Borom, à plus tout le monde. De PH, on se dégage.